puis mes enfants, mais il fallait que je les fasse vivre. Il fallait que j'envoie l'argent tant par mois. Quand je me suis séparée, que je suis devenue monoparentale, ça n'a pas changé ma planification de retraite. Dans le temps, j'avais un petit duplex à Laval. On vend la maison, on s'en va en appartement. C'est ce qui m'a coûté ma femme, la moitié de la maison. Ma retraite va être quand même numéro un. Ce qui m'a sauvée, c'est mes petites épargnes que je faisais tout le temps, qui sont restées là, à l'abri, et qui m'attendent.